Salam alaikum, hey bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la prochaine date FIFA qui aura lieu du 3 au 11 juin prochain. Je vous le rappelle donc juste après la fin de toutes les compétitions. Vous savez que la plupart des championnats se terminent ou ce week-end ou le week-end prochain au grand max. Hein, donc euh, au plus tard le, le, 19, euh, le 19 mai. Tous les championnats seront terminés. Derrière, il y aura les finales de Coupe. Et la dernière, ce sera donc la finale de la Champions League hein, entre Dortmund et le Real Madrid, qui aura lieu le samedi 1er juin par la suite. Cette année, tout se termine un peu plus tôt, étant donné qu'il y a la Copa América et euh, l'Euro, donc euh, au mois de juin et juillet prochain. Sans oublier les Jeux Olympiques, mais bon, les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir. Bon, voilà. Alors, concernant donc notre équipe nationale, alors déjà je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, vous me donnez vos avis concernant cette date FIFA. Alors, j'ai laissé de côté cette affaire, enfin cette affaire de Berkane et l'USMA, mais on est dans l'attente, ne vous inquiétez pas euh, de la réponse euh, du TAS, bien évidemment. Et ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas euh, assez euh, parlé de la prochaine date FIFA pour euh, notre équipe nationale, et notamment. Alors, on sait qu'on va affronter donc, la Guinée, ce sera le 6 juin, donc à, au stade Nelson Mandela, à Alger, donc le 6 juin, ce sera un jeudi. Par la suite, nous allons donc jouer le 10 ou bien le 11. Euh, je crois que c'est le 10. Euh, le match face à l'Ouganda. Et j'aimerais justement vous parler de ce match contre l'Ouganda. Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas où nous allons affronter l'Ouganda. Ah, Excusez-moi. Alors, on ne sait pas si ce sera. À Kampala, dans la capitale ougandaise, hein, je vous rappelle Kampala, ville à 1200 mètres d'altitude, donc euh, taux d'humidité euh, un peu plus acceptable que d'autres villes. Bon, il fera chaud, mais ce ne sera pas non plus d'excès. Au fait, si vous voulez, ça ne dépassera pas les 30 degrés. Bon, après, vous allez me dire, avec l'humidité, <laughs> le ressenti et tout, on peut frôler les 40. Ce sera des choses à gérer, mais il faudra déjà se préparer à l'avance au cas où. Et puis, si ça ne se joue pas euh, à Kampala, Apparemment, ce sera ou à Japoma au Cameroun. On a affronté déjà l'Ouganda à Japoma au Cameroun en juin euh, de l'année dernière. Nous avions gagné nos, notre match, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2 buts à 1, rappelez-vous. Hein. Et euh, pour ce qui est donc de la seconde solution, ce serait l'Egypte. Mais je pense que l'Ouganda, s'ils veulent nous mettre un petit peu dans la difficulté, et. Euh, après, ça dépend d'eux aussi, hein. ils peuvent se mettre en difficulté eux-mêmes aussi en choisissant un lieu qui ne va pas forcément les mettre en avant. Rappelez-vous, hein, on les a affrontés à Japoma, on les a tout de même battus avec une équipe bis, rappelez-vous. Il se peut qu'ils choisissent l'Égypte, hein. Bon, nous, de toute façon, l'Égypte ou l'Ouganda ou le Cameroun, nous jouerons ce match pour gagner les trois points. C'est ce qu'il y a de plus important, peu importe la manière. Euh... Par contre, les rumeurs qui disent que l'Ouganda jouera au Cameroun, non. L'ouganda ne jouera pas euh, au Cameroun, pardon. ne jouera pas au Maroc. Ça c'est une certitude. Pour ce qui est des équipes qui veulent affronter euh, l'Algérie et qui joueront leur match au Maroc, on sait très bien que ce sera la Guinée et la Somalie. Bon après la Somalie, ils peuvent jouer en Égypte. C'est plus proche de chez eux, mais je pense qu'il doit y avoir des, des certaines relations, si vous voyez ce que je veux dire, entre certaines fédérations. Vous le savez très bien. Mais ce n'est pas un souci. Peu importe l'endroit, nous gagnerons nos matchs, Inch'Allah, B. en espérant bien évidemment que l'arbitrage sera à la hauteur, parce que c'est la seule chose qui peut nous barrer la route vers éventuel, euh, une éventuelle qualification en Coupe du Monde ou vers euh, des titres, bien évidemment. Euh... Donc on va attendre, parce que là. La fédération ougandaise de football fait tout pour homologuer son stade. Ils ont fait des tests, apparemment deux matchs tests, qu'ils ont envoyé à la CAF. La CAF, apparemment, ils ont été euh, entre parenthèses impressionnés. Je peux vous lire un bout d'article là, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que ce match-là aura lieu donc quatre euh, jours après celui de la Guinée. Donc, si on... apparemment, c'est le 10. Si c'est le 10, ce sera lundi. Donc, on va jouer jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Bon, à mon avis, ils vont prendre l'avion directement tard dans la nuit et le soir du match pour gagner du temps. Et c'est tout à fait normal. Histoire d'être là-bas sur place samedi matin. S'entraîner dimanche. Voilà, dans le stade. Et puis lundi, jouer ce fameux match qui sera ô combien important. Euh... Après, voilà. Bon, la liste des joueurs, on va attendre. Petkovic va envoyer sa liste élargie. À la mi-mai, hein, donc dans la semaine, hein, dans la semaine, il va envoyer sa liste élargie, sachant que la plupart, tous les championnats seront terminés et que le seul qui était, euh, qui devait jouer un match de finale de coupe d'Europe, c'est Sebaini, ben mais qui est blessé. Sinon, il a rejoué la finale de la Ligue des Champions avec Dortmund. Bah, du coup, tous les joueurs seront disponibles à ce moment-là. Alors, certes, la date FIFA débute le 3 juin, mais ce serait intéressant de récupérer les joueurs un petit peu avant déjà. Pourquoi pas euh, Certains auront terminé le, le, leur championnat ce week-end. Il y en a qui ont déjà terminé la semaine dernière. Il y en a qui termineront la semaine prochaine. Ce serait bien de les avoir déjà dès le premier, dès le, le samedi. Pourquoi pas Ça peut être une option, euh, histoire d'avoir deux jours de plus pour pouvoir euh, avoir les joueurs sous la main. Euh, généralement, la date FIFA c'est euh, 15-16 jours, celle de juin. Cette année, elle est raccourcie à cause, bien évidemment, de la Copa América et de l'Euro. Donc c'était important de le préciser. Ce qui est sûr, c'est que on va attendre impatiemment, bien sûr, cette liste. Hein, je vous ferai à nouveau une nouvelle vidéo. Je vous en ai fait une au mois d'avril. Je vous en ferai une là euh, d'ici ce week-end. Une liste de mes 23 qui seront euh, lors de cette Coupe d'Afrique. Euh, de ces qualifications Coupe du Monde, pardon. Euh, et euh, et c'est important de le préciser, bien évidemment. Alors, bien sûr, elle sera différente parce que vous avez des joueurs qui sont en méforme. Vous avez des joueurs qui sont remontés, vous avez des joueurs qui sont blessés, donc il faudra s'adapter à la situation des joueurs actuels, euh, des joueurs euh, euh, algériens, bien évidemment. <laughs> en tout cas, ce qui est sûr, peu importe où nous, où nous jouerons ce match-là, il faudra chercher bien sûr les 3 points. Bien évidemment, si nous obtenons les 6 points, donc que ce soit la Guinée ou l'Ouganda, qui sont nos adversaires les plus coriaces de ce groupe, bien que la, le Mozambique c'était pas mal non plus. Il faudra, si on gagne ces deux matchs, le mois de mars peut être déjà décisif pour la qualification. Donc, euh, essayons de nous mettre dans les meilleures des conditions. Bon, moi je le dis, je souhaite les 6 points. Si on a 4 points, c'est très bien. Mais alors, dans ce cas-là, il euh, faut que les 4 points, euh, le, le point du match nul, c'est à l'extérieur. Euh, Guinée, il faut gagner. Il faut absolument gagner. Parce que imaginez, vous vous retrouvez au mois de septembre l'année prochaine, en 2025. Ce sera euh, la huitième journée, je crois, septième 8 huitième journée. Donc, ce sera les deux dernières, les deux avant-dernières journées, parce que les neuvième et dixième journée, les dernières, c'est au mois de octobre 2025. Il ne faudra pas se retrouver dans une position défavorable en affrontant la Guinée au Maroc. Bon, l'Algérie pourra demander à jouer ailleurs, mais je ne pense pas. Ce sera, c'est tout de même, ben, c'est la CAF qui décide, et c'est la, féd... <laughs> la fédération. Excusez-moi, et c'est la fédération. Guinéenne qui choisira, bien sûr. Et vous savez très bien que la CAF, hein, on se comprend. Donc, bien sûr, il ne faut pas se retrouver dans une décision défavorable parce que sinon, là-bas, il va se passer des trucs de malade. Vous le savez très bien. Ne soyons pas ignares à ce point. En tout cas, ce qui est sûr, nous ferons tout pour nous qualifier le plus rapidement possible. on le souhaite en tout cas. On soutient totalement notre équipe nationale et notre coach, notre staff technique, notre fédération. Là, c'est l'unité qui prime. C'est l'unité qui prime. Et euh, il faut obtenir cette qualification. Et surtout qu'il ne nous arrive pas ce qui s'est passé. Notamment le 29 mars 2022. Et... Euh, on peut le dire. Hein, la grande fourberie qui s'est passée derrière eux. Cette affaire-là et tout ce qui en a suivi, malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, on n'oubliera pas. C'est normal. C'est des choses qui marquent. Mais il faut continuer à avancer, alhamdoulilah. Mais on n'oubliera pas que... Il y a eu, il y a eu, euh, euh, comment dire, il s'est passé quelque chose contre nous. C'est en Algérie, c'est à l'extérieur. Et ça, on pourra jamais nous l'enlever. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve en tout cas. En tout cas, on est impatient de voir notre équipe nationale. Euh, des matchs que je vais peut-être pas commenter, mais je ferai des lives. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir à l'idée, et je vous demanderai d'ailleurs, je ferai un vote et tout. Euh, le moment où il y a le match, en mode je regarde le match, je réagis quand il y a une occasion ou quelque chose et je parle avec vous dans le chat, mais je commente pas. Je ne sais pas si vous, avez, si, vous avez, euh, si vous avez compris. Voilà, ça peut être une bonne alternative et surtout euh, ça évitera, euh, voilà, que la nature a horreur du vide. Je pense que vous m'avez compris parce que voilà, l'Algérie euh, ça fait vendre et euh, ça fait le buzz et personnellement tant qu'il n'y aura pas assez d'Algériens qui commentent les matchs, s'il si faut boucher les choses, on le fera, voilà, tout simplement, tout simplement, c'est important, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis euh, bah, on se retrouve pour une très prochaine vidéo, et puis un très prochain live surtout, tahiyyar Allah irham shuhada, ou Palestine shuhada, salam alaikum.